À travers le monde, les aéronefs s'y mobilisent. Des vols longs courriers sont de moins en moins au rendez-vous. La rareté du kérosène consécutive à la crise ukrainienne commence à coincer le secteur aérien. En République démocratique du Congo, on s'en tire plutôt bien. Le point de vue du gouvernement dans ce journal. À l'université de Kinshasa, les professeurs ont rangé la craie blanche depuis plusieurs jours au grand dam des étudiants. Malgré le retard que connaissent ces apprenants, le mouvement de grève se radicalise. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'annulation du vol Brussels Airlines de 22 août dernier n'a aucun lien avec le manque de carburant, communément appelé kérosène. Ces propos sont du chief exécutif de cette compagnie belge au sortir de l'audience lui accordée par le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbou et le vice-ministre des Transports Marc Kila. Il est important de savoir que même si la crise du carburant est mondiale, la République démocratique du Congo travaille d'arrache-pied pour que toutes les compagnies aériennes qui opèrent sur son espace ne puissent souffrir d'aucune rareté. Séverine Katanda. Kinshasa n'est pas en manque de kérosène. Les sociétés pétrolières qui approvisionnent les compagnies aériennes opérant en RDC en kérosène continuent à servir comme d'habitude la quantité de ce produit à ces différentes compagnies. Confirmation faite par les responsables de ces entreprises au cours d'une réunion tenue le 24 août 2022 avec le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbou et le vice-ministre de Transport Marc Ekilali Kombo. Une rencontre qui fait suite à l'annulation du vol Brussels Airlines du 22 août 2022 à Kinshasa. Démenti apporté tout de suite par le directeur général de Brussels Airlines. Je confirme que donc le vol de lundi, du lundi 22 au départ de Kinshasa a donc été annulé pour des raisons opérationnelles. Contrairement à ce qui a été annoncé par la suite dans la journée d'hier, il s'agissait d'un vol, donc le vol de lundi. Et également aujourd'hui lors de la réunion, donc il en est ressorti que les autres vols de Brussels Airlines ne sont pas en danger. Donc. Du côté CEP Congo et ministère des Hydrocarbures, le kérosène est servi à toutes ces compagnies. De nouveaux navires arrivent dans quelques jours en RDC pour approvisionner le pays avec le kérosène. Il y a un comité de régulation qui existe au ministère des Hydrocarbures qui organise l'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Et donc je vous rassure que cet organe de régulation a bel et bien prévu un tanker qui est annoncé en début de mois de septembre en République démocratique du Congo avec du jet A1, c'est-à-dire le carburant qu'on utilise pour les avions. Le gouvernement congolais travaille d'arrache-pied pour assurer la population à ce propos. Le nouveau gouverneur élu du Nord Ubangi veut s'inspirer de l'expérience de ses aînés pour réussir son mandat avec brio. Il a échangé avec le deuxième vice-président du Sénat sur son programme et sollicite l'accompagnement de la Chambre de Sages, une démarche saluée à juste titre par l'honorable Sangouma Temongon de Mossa et Robert Ndaye Djessé. 145 territoires pour booster le développement des provinces et permettre un bon décollage des entités territoriales décentralisées. Visionnaire, le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sangouma Temongon de Mossaye, reste convaincu que le développement du Grand Équateur dépend de l'implication de chaque fils et fille. C'est l'une des raisons fondamentales de la rencontre entre les gouverneurs de quatre provinces qui composent le Grand Équateur. Après avoir pris les bâtons de commandement de la province du Nord Ubangi, Malo Dinga Mobutu, nouveau gouverneur élu, s'érange derrière la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour redorer l'image de sa province. Il a dit au deuxième vice-président du Sénat et notable du Grand Équateur, honorable Sangouma Temongo de Mossaye, chez qui il est venu se ressourcer et s'inspirer de son expérience. Le projet des 145 territoires est la bienvenue dans toutes nos contrées, dans toutes nos provinces. Le président de la République a donné la nouvelle dynamique et nous allons pouvoir surfer et profiter de cela au courant des prochaines semaines pour nos différentes provinces. Nous sommes ensemble aujourd'hui, nous partageons les mêmes idées. Le gouverneur qui a un peu plus d'expérience que moi est également là pour m'encadrer. Avec les gouverneurs du Sud Ubangi, des problèmes prioritaires touchant aux infrastructures, agriculture et électricité ont été évoqués. Le Grand Équateur doit envoyer un signal fort au reste des provinces. Le numéro 3 du Sénat a invité ses visiteurs d'accompagner le président de la République
en ce moment précis où la RDC subit l'agression de la part du Rwanda sous couvert du mouvement M23. Pour avoir construit leurs murs de clôture sur les emprises de la route, empêchant ainsi l'OVD de bien travailler, quatre propriétaires de parcelles situées sur l'avenue de la Révolution à Mongafula ont vu les documents de leurs parcelles être saisis. Aujourd'hui, ils ont récupéré leurs documents parcellaires auprès de l'OVD, ce après réparation des murs, comme quoi la loi est dure, mais c'est la loi. Christine Linzo. Nous sommes dans le quartier Don Bosco à Mongafula, où l'avenue de la Révolution a été réhabilitée par les ingénieurs de l'OVD. Ces derniers avaient par la même occasion construit les ouvrages d'assainissement pour épargner cette route de stagnation des eaux usées, lesquels travaux ont exigé de l'OVD d'éraser les clôtures de quatre parcelles. Celles-ci envahissaient les emprises de la route et empêchaient de ces faits l'exécution des travaux. Voilà qui avait amené l'entreprise à récupérer ainsi près de 2 mètres carrés sur chaque parcelle. Aujourd'hui, les murs ont été de nouveau construits par l'OVD qui a pris soin d'échanger les données de leur titre de propriété perpétuel. Les propriétaires de ces parcelles ont été surpris agréablement de réceptionner leurs documents parcellaires des mains de l'ingénieur Kalonda. On était inquiets, nous venons de récupérer nos documents, nous disons merci à l'OVD. Le port Mombara, là, te pèse à l'imam. C'est pas autrement une zone sélimissante, bonne et difforme. Notez qu'un accord a été conclu à l'issue d'un dialogue social mettant autour d'une table l'OVD, les bénéficiaires et les notables du quartier Don Bosco. Ils ont tous remercié le directeur provincial de l'OVD Kinshasa, Alain Chimbalanga Tamboué. La province du Kasaï central subit plusieurs travaux routiers à ce jour. Comment évolue l'exécution de ces différents projets? La question était évoquée au cours d'une séance de travail entre le ministre d'État Alexis Guissaro et le gouverneur de province Dieudonné Pimi. Rudis Kitutu Moudirizi qui en a reportage. Ils ont évoqué des questions d'infrastructure routière, notamment la nécessité de réhabiliter la route d'intérêt économique de Chikapa-Kalonji, la finalisation des travaux sur le pont Chikapa, l'amélioration de la route nationale numéro 1 dans son tronçon Kinshasa-Bachamba et aussi la route Kamwisha-Kananga. À toutes ces questions, le ministre d'État Alexis Guissaro a réagi positivement. Je suis sorti satisfait de tout ce que j'ai reçu comme information ici. Nous avons parlé de la route Chikapa-Kandjaji, une route d'une importance capitale. On est tous tombés d'accord sur le besoin de travailler sur cette route et d'identifier les traîneurs nécessaires qui seraient intéressés. Il y en a déjà d'ailleurs. Nous avons abordé la question du pont Chikapa, dont la construction est terminée et qu'il ne reste plus que la rampe de sortie pour la finalisation des travaux. Promis à la population lors de l'inauguration du pont Kasaï, la construction d'une passerelle pour traverser le tuyau des dessertes d'eau, le ministre d'État Alexis Guissaro a annoncé la bonne nouvelle au gouverneur Piémé. Ce problème-là est résolu à ma très grande satisfaction et je pense que je peux dire la main sur le cœur à la population du Kasaï, qu'ils ont intérêt à remercier le président de la République sur la question. D'autres projets d'intérêt social seront exécutés dans un bref délai. Le gigantesque projet présidentiel de développement de 145 territoires prend lisiblement forme. Le bureau central de coordination BCECO et les agences locales d'exécution pour la mise en œuvre de ce programme viennent de signer des conventions au terme d'un atelier de renforcement des capacités du personnel de ces deux parties. Jacques Kaboba. C'est pour renforcer les capacités des agences locales d'exécution dans la mise en œuvre et la gestion de conventions signées avec le bureau central de coordination que cet atelier a été organisé. Cette activité intervient 6 jours après la signature de conventions par ces agences qui auront la charge de construire et réhabiliter 189 écoles et 124 centres de santé à travers le 48 territoires d'intervention du BCECO. Après cette séance de renforcement de capacités, ces agences pourront se déployer sur le terrain pour démarrer le travaux, a déclaré le directeur général du BCECO, Jean-Mabi Moulumba. À partir de la semaine du 29 août, les ailes vont se déployer sur le terrain pour lancer les travaux dans les 48 territoires d'intervention du BCECO.
Au terme de cette atelier qui s'est penché essentiellement sur la gestion opérationnelle de contrats, les activités de sous-traitance, la présentation de factures et le contrôle financier, les représentants des agences locales d'exécution se sont dit être renforcés par les éléments de connaissance fournis par le BCECO. Je remercie BCECO pour cette formation parce que ça nous a donné vraiment le clou de comment nous devons travailler sur le terrain. Nous avions été éclairés sur les procédures prévu par le BCECO et je l'estime bien que ça sera transparent. Le BCECO est l'une des structures d'appui au développement retenues par le gouvernement congolais en vue de mettre en œuvre le programme de développement local de 145 territoires, une vision du président de la République Félix Tshisekedi pour réduire les inégalités sociales et améliorer les conditions socio-économiques de la population à partir de la base. Trois ouvrages à caractère social réhabilités dans le territoire de Lomela, dans la province de Sankourou, viennent d'être remis aux autorités provinciales par les responsables des différentes entreprises chinoises qui ont exécuté ces travaux. Biti Amani. Les deux rives de la rivière Lomela sont franchissables désormais grâce à un pont de 90 mètres de portée jeté sous cette rivière du territoire de Lomela dans la province du Sankourou. Ces ponts qui connectent les quartiers Kalunga et Lopongo viennent d'être réceptionnés et versés au patrimoine des infrastructures routières de la République démocratique du Congo. Lors de l'échange avec l'administrateur du territoire, le chef de la délégation Marco Twakamba a expliqué à l'AT le vœu de la délégation de le voir participer à cette réception de trois ouvrages, à savoir les ponts, l'école technique et l'hôpital, une participation pour plus d'appropriation, a-t-il précisé. La mission a procédé aux essais de chargement du pont au moyen d'un camion de 7 tonnes chargé de 300 sacs de ciment. Par la suite, la mission s'est intéressée aux éléments sociaux d'accompagnement du projet. L'école technique de 6 classes avec des sanitaires. Il contient aussi 3 locaux pour la direction, la salle des enseignants et la salle de matériel didactique. L'hôpital moderne est subdivisé en 3. Il est prévu une immense salle d'hospitalisation de 22 lits, une partie administrative et des consultations, une morgue, des sanitaires et quelques autres services utiles. Avec cette dotation, Lomela passe en avant de certains autres territoires en termes d'infrastructures utiles. La promesse de la Tshuapa ne restera pas de marbre. Elle subira aussi la transformation fondamentale de ses infrastructures à travers des investissements et interventions programmées. La réussite de ce projet de 145 territoires passe également par l'implication de la population de la Tshuapa. Cette initiative touche au développement de la province d'Yenbalaka. Le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, a regagné Kinshasa le mercredi dernier dans la soirée, après un séjour de plus de 24 heures à Bouindé dans la province de la Tshuapa. Maître Guy Luando Mboyo vient de lancer l'atelier sur le développement à la base de 145 territoires PDL. À son arrivée dans cette province, Maître Guy Luando Mboyo était accueilli chaleureusement par les filles et fils de Bouindé, membre du comité stratégique de pilotage des PDL et un des leaders de la Tshuapa. Il a aussi matérialisé à travers le lancement de l'atelier la vision du chef de l'État qui tient au développement de cette province longtemps oubliée. Ça m'a permis de rendre un vivant hommage à Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshombo, chef de l'État, dont le leadership éclairé et la vision anthropocentrée place le bien-être du peuple congolais au centre de l'action gouvernementale. Sous la direction magistrale de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samanko de Kenya, et j'ai l'honneur de représenter au présent atelier de lancement du programme de développement local des 145 territoires de la province de la Tshuapa, expression et entente de la détermination du gouvernement de la République à travailler activement pour l'amélioration effective et palpable des conditions de vie des populations.
Grâce à ces programmes ambitieux lancés totalement par le gouvernement dont l'exécution est confiée au PNUD, la province de la Chuapa a indiqué que le ministre d'État subira une transformation fondamentale de ses infrastructures au travers des investissements et interventions programmées. La réussite de ces projets passe également par l'implication de la population de la Chuapa, d'où l'appel de Maître Guluando à toutes les forces vives de la province de s'approprier de cette initiative du chef de l'État pour le développement de la province. À Kinshasa, clôture aujourd'hui de l'année de formation 2021-2022 à l'École nationale des finances. Les lauréats ont reçu leur diplôme de fin de formation des mains du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, au cours de cette cérémonie bivalente qui a coïncidé justement avec l'ouverture de la session 2022-2023. Rikin Zuzeloya Mayoel. Offrir à la République démocratique du Congo un nouveau type de gestionnaire des finances publiques avec un profil requis. Telle est la mission primordiale assignée à l'École nationale des finances NF qui vient de mettre à la disposition du pays plus de 260 cadres formés pendant 3 ans en budget et comptabilité, impôts directs et indirects ainsi que les douanes et accises. Ce après délibération par les jurys de 268 candidats sous la présidence du secrétaire général aux finances Bitassi Mwabayi Christophe, président du conseil d'orientation de l'NF. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a clôturé l'année de formation 2021-2022, doublée de l'ouverture de la session 2022-2023. Il a tenu à féliciter le staff de l'ENF pour le respect du calendrier. Je voudrais féliciter l'École nationale des Finances et ses dirigeants, ainsi que l'ensemble de la population étudiante, pour avoir réussi ce pari en tenant les délais en ce qui concerne le respect de l'année scolaire. Je réitère ma position de l'État congolais de ne recruter que les agents des administrations, des finances et du budget, tant au niveau national que provincial et local, ayant le diplôme de graduat et âgé de 40 ans. De plus grandes distinctions, de nombreuses distinctions et satisfactions pour cette session, le directeur général de l'ENF, Jean-Paul Niembo Tampakanya, est l'homme le plus heureux. Cette cérémonie a été ponctuée par la remise des diplômes aux lauréats par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qu'entourait entre autres le vice-ministre du Budget, Élisée Bokoumana Maposo, et la directrice générale de la DGDA, Kawanda Walom Jean-Blandine. Les lignes haute tension SNEL menacées par des têtes d'érosion au niveau de la ville de Mbanza-Ngungu dans le Congo central. Des travaux de génie civil ont été lancés par la SNEL pour maîtriser ces têtes d'érosion, nous dit Yvette Makuntima. D'un front à un autre, les travaux de lutte anti-érosive entrepris par SNEL SA à Mbanza-Ngungu, province du Congo central, entrent dans sa phase décisive. Création des bassins de rétention d'eau à travers un remblayage séquencier des ravins, les sols argileux remplis pour solidifier celui-ci, bambous et autres vétivers sont mis en contribution pour empêcher la chute brutale des eaux. Les délais par rapport à notre planification, et d'ailleurs nous attendons que la saison des pluies revienne pour que nous puissions finir définitivement les travaux de la sécurisation en plantant des vétivers, les bambous chinois sur des érosions sur lesquelles nous avons travaillé afin que la pluie puisse nous aider à faire germer rapidement ces plantes. Nous pouvons dire à l'opinion que les craintes que nous avions au mois de janvier, février et même avril avant le début des travaux sont totalement derrière nous. Nous continuons à travailler pour la sécurisation de ces pylônes. Les équipes de SNEL SA appuient sur l'accélérateur et tout porte à croire que ces érosions qui menacent les outils des transports de l'énergie électrique de SNEL SA seront maîtrisées. Cela n'est fait l'ombre d'aucun doute. La SNEL SA dispose à l'heure actuelle de moyens pour protéger ces lignes. Il faut bien entendu en faire davantage. Mouvement de grève à l'université de Kinshasa. Eh bien, les professeurs durcissent le ton, le débrayage se poursuit. L'annonce a été faite aujourd'hui à l'Assemblée générale organisée hier au siège de l'APUKIN. Les professeurs de l'université de Kinshasa sont au micro de Grace Maosso. Les professeurs de l'université de Kinshasa se sont réunis ce mercredi 24 août 2022 en Assemblée générale extraordinaire
afin d'évaluer l'évolution de la grève décrétée le 20 juillet 2022. Après examen, débat et vote des participants, les décisions ci-après ont été prises. La grève est maintenue. La prochaine évaluation aura lieu le 7 septembre 2022. Faite à Kinshasa le 24 août 2022. Pour le comité exécutif, le professeur Pafil Ekondalisembe, secrétaire trésorier, le professeur ordinaire David Luboyambele, président. Comment garantir la transparence du processus électoral avec les innovations de la nouvelle loi électorale? La question a été débattue au cours d'une conférence animée par un des membres de la plénière de la CENI, Gérard Bissambou, Tété Samba. La Commission électorale nationale indépendante appuie sur l'accélérateur pour la réussite des élections en 2023. C'est dans ce cadre que Gérard Bissambou, membre de la plénière de la centrale électorale, a éclairé l'assistance sur les garanties de transparence dont doit faire preuve l'institution chargée d'organiser les élections. Gérard Bissambou était au milieu d'un panel de 4 intervenants, dont 2 députés nationaux et une experte électorale, le mercredi 23 août 2022 au Pullman Hotel. Comment garantir la transparence du processus électoral avec les innovations de la nouvelle loi électorale? C'est le thème de ce débat auquel Gérard Bissambou a participé. La CENI, actuellement, travaille sous le mode de la transparence, du professionnalisme, de l'intégrité électorale. C'est tout à fait important. Nous savons que nous sommes appelés à organiser des élections qui soient transparentes, crédibles, intègres. Et arriver à intégrer la dimension de l'équité que la loi comporte déjà, renferme déjà, bien qu'il faille faire plus, de telle sorte que par ce comportement, ces pratiques, nous puissions rendre des élections qui soient transparentes et qui amènent l'apaisement et la paix. Différentes interventions ont été enregistrées, notamment celle du directeur pays d'Internews, Karim Bernard Dende, et de la directrice générale de l'Institut républicain international. Les élections approchent et ça bouge déjà dans différents quartiers généraux des partis politiques. Au parti présidentiel, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya, était devant les membres de cette formation politique de la ville de Boma pour un appel à l'ordre. Alain Bikaï. Les séjours du secrétaire général de l'IDPS dans la ville de Boma n'étaient pas de tout repos. Le numéro 1 de l'IDPS, Augustin Kabuya, était devant les cadres et membres de son parti venus nombreux pour l'écouter. Une occasion pour Augustin Kabuya de remercier ses interlocuteurs pour leur attachement aux idéaux du parti et leur soutien sans faille au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur un ton ferme, Augustin Kabuya a prêché le respect de l'ordre public et de la hiérarchie du parti présidentiel. Concernant les enjeux politiques de l'ère, le patron de l'administration de l'IDPS a exhorté à l'assistance à se préparer pour les échéances électorales de 2023. Question de doter le parti, la majorité au niveau national et provincial pour lui permettre de bien appliquer son projet de société, le peuple d'abord. Vous devez vous organiser. Mais l'eau, ce qui t'obéna, élection. Puisque en 2023, l'élection est Kozala. Puisque ma accomplissement est Kozala. Dans les réseaux sociaux, et comme un domaine réservé à la bataille des peuples. Au fil de la Mamoko, à quel moment le débat contradictoire n'a pas été parti, Moussoussou, Azotima, à comme un communicateur, c'est pour insulter les membres de son parti. En équipe de Kouanati. En bon leader, le secrétaire général a appelé les combattants à la vigilance, surtout à ne pas céder à la manipulation des politiciens en quête de positionnement. La production de manioc à grande échelle à Madimba au Congo central et la campagne a été lancée par le gouverneur du Congo central. L'objectif est la lutte contre la pénurie de la farine de blé avec la farine panifiable du manioc, un projet que pilote la cellule d'appui au programme d'urgence intégrée de développement communautaire. Edith Chala.
Le projet était attendu impatiemment par les populations du Congo central. Il a finalement été lancé par le gouverneur du Congo central, Guy Bandou. C'était en présence de la cheville ouvrière du projet, la cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire CAPUDC, dirigée par le coordonnateur et conseiller spécial du chef de l'État, Philippe Nguala Malimba, aux côtés du ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga Birianze. 4 000 hectares sont concernés dans le Congo central sur les 10 000 hectares compris dans les trois bassins de production de manioc sélectionnés sur l'ensemble du pays. La Banque africaine de développement finance le projet à travers la CAPUDC à hauteur de 52 millions de dollars américains. Mais c'est la vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son sens, en tant que visionnaire, il avait pensé à ce projet depuis 2020. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il nous a instruit de pouvoir réaliser la substitution de la farine panifiable du manioc, c'est-à-dire le remplacer de plus en plus au blé pour essayer d'injecter des devises dans l'économie nationale, mais également assurer la sécurité alimentaire. Une réalisation du projet qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et réjouit les populations du Congo central. Ce projet a tout le moins le mérite d'améliorer les conditions de vie des Congolais de cette partie de la République démocratique du Congo. Les infrastructures de facilitation de commerce dans l'est de la République démocratique du Congo ont été inaugurées. À Kassindi et à Bukavu, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a coupé les rubans symboliques à la grande satisfaction des acteurs du commerce transfrontalier. Edith Chala. Le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de bénéficier de nouveaux bâtiments qui abriteront les services de l'État œuvrant à la frontière Ruzizi Premier dans la commune d'Ibanda, en province du Sud Kivu et de Kassindi au Nord Kivu. La remise officielle et l'inauguration de ces infrastructures frontalières à arrêt unique et d'une premier au Sud Kivu ont eu lieu ce mercredi 24 août à Bukavu par la Banque mondiale à travers son projet de facilitation du commerce transfrontalier dans la région des Grands Lacs. Au nom du président de la République, le ministre national du commerce extérieur a présidé la cérémonie des coupures d'exence du vice-gouverneur militaire du Nord Kivu, le commissaire général Romy Ekuka et du gouverneur des provinces du Sud Kivu, Teongwa Bidjekas. Avant de visiter le bureau de ces bâtiments, le ministre Lucien Boussa Togba a rendu un hommage mérité au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la matérialisation de ces projets. J'ai été chargé par les premiers ministres en chef du gouvernement pour venir inaugurer les infrastructures frontalières de Kassindi et de Ruzizi Premier, construites dans le cadre de l'exécution du projet de facilitation du commerce dans la région des Grands Lacs. Prenant la parole à cette cérémonie, le gouverneur des provinces, Tongwa Bidjekasi, a promis à ses partenaires traditionnels d'utiliser ces infrastructures frontalières à bon escient. Au nom des bénéficiaires, que sont le petit commerçant transfrontalier Safari Mpaliroa Pascaline, présidente des petits commerçants à la frontière Ruzizi, a aussi remercié le gouvernement congolais et ses partenaires pour les bonnes conditions de la traversée à la frontière qui va améliorer les commerces transfrontaliers en province du Nord Kivu et du Sud Kivu. La commune de Mongafula subit d'intenses travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures énergétiques et routières ces derniers temps. Des travaux qui n'ont pas laissé indifférents les notables de cette municipalité qui remercient le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la réalisation de ces différentes œuvres. Et Pierre Mboulou. Le succès grandissant de l'exécution des divers projets intégrateurs à impact social réalisé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la construction de l'usine de captage d'eau de la région des eaux Sekoma Falemba Imbu, ainsi que la réhabilitation d'infrastructures routières de Bel Air, Kimwenza et Zamba Telecom dans la commune de Mongafula. Succès qui cristallise l'aura diplomatique de notre pays sur l'échiquier international date de la souveraineté politique de la RDC. C'est au fait n'ont pas laissé indifférent la notabilité communale de cette partie de la capitale congolaise, avec à leur tête Anissé Kuzunda Mutangiji, en sa qualité de président national de l'Alliance pour l'humanisme et la démocratie, l'une des formations politiques membres de l'Union sacrée pour la nation, tout en remerciant le président de la République pour avoir jeté son dévolu dans la concrétisation de ses œuvres sociales à impact visible dans la commune de Mongafula. Ce dernier a mis à profit cette matinée pour sensibiliser la jeunesse de cette commune
à s'enrôler sous le drapeau dans l'armée et à soutenir le vent FRDC au front dans la partie est du pays. Belle opportunité pour le président national de l'AUD de lancer un signal fort aux conséquences bénéfiques pour tous. Nous avons le devoir de rendre hommage au chef de l'État et nous lui remercions pour tous les travaux qu'il est en train d'effectuer pour désenclaver la commune de Mangafoua, sans oublier tous les efforts qu'il est en train de fournir pour pacifier la partie est du pays. Cette sobre et symbolique matinée de remerciements au père de la nation s'est clôturée par l'installation officielle des membres du comité sectionnaire de l'AUD dans les quartiers Matadimayo 1 et 2 dans la commune de Mangafoula. La lutte contre le banditisme urbain, communément appelé Kuluna, est une affaire de tous. Le président de la Fondation Gabin, Kindembe, a échangé avec les différentes bandes de Kuluna dans la commune de Matiti. Regardez. Le banditisme urbain, dit Kuluna, a pris des allures inquiétantes et incalculables dans la ville de Kinshasa, surtout dans les coins les plus reculés. Les différents quartiers de la commune de Matete ne sont pas en reste, en proie à des braquages et menaces aux conséquences graves. Natif de la commune de Matete, Gabin Kindembe, président de la fondation qui porte son nom, a décidé de mener une lutte acharnée contre ce fléau par la socialisation, la causerie morale et l'insertion sociale du Kuluna à travers l'apprentissage de métiers pour être utile à la société. Il a échangé avec certaines écuries de Matete pour qu'ensemble une solution soit trouvée. Si je vous apprends à prêcher, c'est par ma volonté. Dieu sait que je travaille dans l'intégrité et dans l'honnêteté. Je prie Dieu que chacun apprenne à conduire, aussi un métier. Mais il ne faut pas en abuser et commencer à traquer et à rançonner. Pour ceux qui vont apprendre le métier de chauffeur, il ne faut pas utiliser ces voitures pour enlever les personnes. Aussi, il a insisté sur le fait que la République démocratique du Congo a besoin de cette jeunesse pour son émergence. Certains parmi eux ont lancé un appel d'abandon aux leurs. Je suis content de cette initiative, de sorte que le pays compte sur moi. J'ai pris la décision d'abandonner les Kuluna. Cette initiative est louable, surtout dans notre quartier Bantalo. C'est Dieu qui l'a envoyé. Nous demandons à nos amis de cesser et d'abandonner le Kuluna. Le moment est arrivé pour éradiquer ce phénomène. Pour ce faire, le gouvernement a besoin de tout le monde. Et pour finir, la religion, les membres de l'association des églises autochtones non confessionnelles étaient aujourd'hui chez le conseiller principal au collège culturel Arts et Questions du chef de l'État pour lui remettre un mémorandum. Théo Chilumba a promis de faire le suivi de ce mémo et qui vise la bonne gouvernance du pays et les échéances électorales. Regardez. C'est une délégation des églises autochtones congolaises composée de plus de 15 regroupements religieux conduite par l'archevêque Euradi Ben Caleb autour du conseiller principal du chef de l'État au collège culture, arts et questions religieuses, M. Théo Chilumba. N'étant pas associé aux 8 confessions religieuses traditionnelles qui composent la plateforme des confessions religieuses de la République démocratique du Congo, le regroupement a, à l'occasion de cette rencontre, porté au savoir. Que nous, l'Église autochtone, on se voyait abandonnés et nous ne sommes pas dans des décisions du pays, au moins que nous sommes nombreux, à part les 8 confessions religieuses. Et c'est pour ce que là, nous nous sommes réunis pour venir aussi consulter l'autorité par rapport à notre situation des églises autochtones. Il s'agit des religions anciennes comme la communauté Masambukédiste, Tata Onda, les Bangunza, la piscine de guérison par Jésus-Christ. Le mémo remis entre les mains de M. Chilumba, qui de son côté a promis de le soutenir et les intégrer dans les activités et campagnes de prière pour la nation, sera sans doute parvenu au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo. Demande au chef de l'État de nous recevoir aussi, ça c'est les demandes, et que les églises des centenaires, qu'ils s'expriment aussi librement devant lui pour qu'ils connaissent aussi leurs idées, pour que les chefs aussi des églises autochtones puissent échanger avec lui, parce qu'il est le père de la nation congolaise. Existant depuis 2 ans jour pour jour, la structure dénommée Association des églises des éveillés du Congo, ACGECO,
a réaffirmé son soutien au chef de l'État pour la bonne gouvernance du pays et les échéances à venir. Un communiqué nécrologique avant de renfermer complètement ce journal. Le ministre de l'Intégration régionale et francophonie, Didier Mazinga Mukanzu, a le profond regret d'annoncer le décès inopiné de son hôtesse d'accueil, Madame Pondanisokissi Lamami, survenue la matinée du jeudi 25 août 2022 à Kinshasa. En entendant le programme détaillé des obsèques, le corps de la défunte est gardé à la morgue de l'hôpital de Saint-Quentenaire à Kinshasa. En son nom propre et à celui de tous les membres de son cabinet, il présente ses condoléances les plus émues à la famille biologique de l'illustre disparu. Que son âme repose en paix. Fait à Kinshasa le 25 août 2022, professeur docteur Claver Lumana Pachi. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez au quartier GB à Kinshasa et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNT, l'actualité continue sur nos antennes, retrouvées à 23h. Serge Merlin Mata, demain 20h, Yvette Makuntima. Très bonne suite au programme sur nos antennes. Au revoir.